Un siècle d'histoire niederbronnoise. Jusqu'à la fin novembre, on peut découvrir dans la plupart des installations publiques de la commune des panneaux retraçant l'évolution de la cité. Illustrés de photos d'époque, de gravures et autres documents authentiques, l'exposition traite tous les changements marquants du siècle passé. Cette présentation, réalisée par l'équipe de la Maison de l'Archéologie, permet à chacun de se remémorer ou de découvrir l'histoire de la ville, mais également de ses personnalités renommées. Ainsi, on peut apprendre la vie et le travail de l'historien Charles Matisse, qui forma des archives très complètes sur la vie et l'évolution de l'ancien Niederbronn. Un coup d'œil nostalgique vers le siècle passé. Grande soirée théâtrale à Gundershofen. La chorale de l'église Sainte-Cécile est montée sur scène pour présenter le résultat de longs mois de labeur. Une représentation en deux parties, des chants français et alsaciens sous la direction de Chantal Taglang. Une pièce en dialecte de Raymond Weisenburger. Pendant trois actes, neuf acteurs sont passés sous les feux de la rampe devant un public attentif. Une comédie familiale mise en scène par René Koenig qui charme par son vécu et son professionnalisme. Eine Peuf au singulier, par nommé Peuf au pluriel. Ça, c'est trop deutsch. Un peu, mais de peu, ou de E, ou de E, comment tu m'en sais? Parcours sportif ouvert. Dans la forêt domaniale de Niederbronn-les-Bains, du fait de la tempête, le parcours du Wintersberg s'était vu contraint de fermer. En accord avec l'ONF, le circuit est entièrement rénové. Étendu sur 2700 mètres, une vingtaine d'ateliers s'intègrent dans le cadre forestier. On peut donc de nouveau faire travailler équilibre, souplesse et musculature. Un retour à la normale très attendu des promeneurs, appréciant de pouvoir réintégrer ce parcours sportif aux sorties en forêt. Nouvelle salle dans les locaux du casino de Niederbronn-les-Bains. Deux destinations principales, conférences et projections cinématographiques. Depuis un mois, on réexploite en séances traditionnelles, donc 4 séances par semaine, à une programmation, ce qu'on appelle en sortie nationale. Voilà, c'est-à-dire 3 semaines après les sorties, les premières nationales. Et donc tout doucement, on va rejoindre une programmation peut-être un peu plus soutenue et puis un peu plus diverse. Quitte à avoir une salle de cinéma, autant avoir une véritable salle de cinéma avec un équipement de ce qui est un très très bon équipement, de façon à ce que nos clients et puis les Niederbronnois profitent et à proximité quelque chose de vraiment très très bien. Des équipements à la pointe de la technologie sur tous les plans. Vidéoprojection, visioconférence et traduction simultanée sont à la disposition des séminaristes. Le public profitant d'un écran de 7 mètres sur 3, 80 places et un son en Dolby Surround 7.1. Des conditions idéales pour que l'œil de la kinoton fasse frémir et vibrer les spectateurs. Je pense bien, oui. On travaille ensemble que depuis 4 ans. Je crois pas que je vous ai déjà vu. J'étais avec des amis et je... Aujourd'hui, nous allons donc préparer le boudin aux châtaignes, autrement dit le Käsewurst. Il faut tout d'abord de la tête de porc,
Il faut du gras de lard, c'est-à-dire les chutes de lard frais. Un petit peu de couenne pour assurer le liant. Du pain, que voilà. Quelques oignons, bien sûr, pour donner un bon goût. Les épices, c'est un épice composé avec de la marjolaine, de la cannelle et plein d'autres choses. Il faut du lait pour lier le tout. Du sang, puisque c'est un produit quand même à base de sang. Des châtaignes, bien sûr, de notre région. Et le boyau, menu de porc, qui servira donc à embosser le boudin. On va faire cuire les têtes maintenant. On va faire cuire la couenne et le gras de barrière. Nous sommes maîtres bouchers de père en fils depuis 1935, donc déjà de mon grand-père. Donc le boudin, je ne peux pas dire que c'est un secret. Et donc, quand nous sommes arrivés ici, bien sûr, c'était une spécialité de la région auquel nous avons pris, je dirais, goût à le fabriquer, puisque c'était quelque chose que nous connaissions. On va passer le tout au hachoir. Donc ce sera mélangé dans cette grande cuve. Avec le sang, le lait, les épices et donc les châtaignes en dernier afin qu'elles restent quand même assez entières, hein, puisqu'il a fallu les cuire deux fois, une première fois pour enlever la coquille, une deuxième fois pour enlever la petite peau. Quand tout sera mélangé, ça passera dans un poussoir où donc le produit sera embossé à l'aide de boyaux. Il y a quelques dizaines d'années, je dirais, ils l'embossaient encore à la main, c'est-à-dire ils enroulaient le boyau autour de la main et donc ils pressaient la pâte dedans. Mais maintenant, je dirais, avec les techniques que nous avons, c'est bien plus rapide et c'est plus agréable aussi à travailler. Et donc ensuite, une fois que le boudin sera réalisé, on va donc le cuire dans une marmite. Donc une chose très importante, il faut plonger le boudin lorsque l'eau elle est en ébullition, c'est-à-dire 95-100 degrés. Vous plongez le boudin dans sa totalité. Et très important donc ne pas couvrir la marmite. Il faut la laisser donc ouverte. Le peu de graisse qu'il y a dans le boudin va donc se dissiper à travers du boyau qui est perméable. Cette graisse va se mettre au-dessus de l'eau puisqu'elle flotte et ce qui va faire donc office plus ou moins de couvercle. Laissez à peu près ce boudin une dizaine de minutes à température 80 degrés puisqu'elle va descendre du fait que vous avez mis les boudins dedans. Et ensuite une vingtaine de minutes plus tard, l'eau aura atteint 75 degrés. Et donc le boudin sera cuit. Hein. Une fois que la cuisson est terminée, il faut bien respecter le mode de refroidissement, c'est-à-dire tout de suite les refroidir dans l'eau froide, afin justement de ne pas développer toutes les bactéries et de garder un très beau boudin avec un très bel aspect. Ceux qui le font à la maison, l'idéal c'est donc de le mettre dans de l'eau frémissante une dizaine de minutes, sans bouillir bien sûr, afin de chauffer le boudin à cœur. Une fois donc ces 10 minutes passées, vous sortez le boudin, vous l'égouttez et vous le faites rôtir dans un petit peu d'huile ou un peu de saindoux quelques minutes de chaque côté. Et vous aurez un excellent boudin. Quand on aime les châtaignes, donc c'est déjà une bonne chose. Et le boudin, s'il est bien cuisiné, bien préparé, vous verrez que c'est quelque chose de délicieux. Ce n'est plus un rebut du moment qu'il y a de très bonnes choses dedans. Hein. C'est vraiment des produits nobles quand même du porc. Et vous verrez que c'est très très bon. La journée de la citrouille. Le 31 octobre, on fête Halloween. Sorcières, monstres et démons viennent peupler les rues pour faire la récolte des friandises. Gare à ceux qui ne donnent rien, les représailles sont inévitables. On dit que cette tradition nous est arrivée des États-Unis il y a quelques années. Mais c'est oublié qu'il y a près de 2500 ans, sur les territoires celtes et gaulois, on fêtait la nuit de Samhain.
L'année gauloise se terminant avec l'été, c'est précisément le 31 octobre que la fête était célébrée. On racontait à l'époque que les esprits pouvaient revenir auprès de leurs parents, le temps pour le dieu de la mort de rassembler les âmes des défunts de l'année écoulée. L'Église catholique adapta son calendrier en conséquence, faisant coïncider cette coutume avec la fête de la Toussaint en plaçant le jour des morts le 1er novembre. Alors qu'en France la tradition disparaissait, Irlande, Écosse et Pays de Galles conservèrent et développèrent cette coutume populaire. C'est là-bas qu'apparurent les premiers légumes creusés et sculptés, choisissant pour se faire plutôt rutabaga et navet que citrouille, qui à l'époque était trop rare. On y plaçait une bougie pour imiter le personnage de Jack aux lanternes, qui, après avoir été chassé du paradis par transgression et de l'enfer à cause de ses farces, fut condamné à marcher avec une lanterne constituée d'un charbon dans un navet jusqu'au jour du jugement. Avec l'émigration irlandaise des années 1850, les pratiques d'Halloween débarquent sur le continent américain. À la fin du 19e siècle, la célébration atteint même le rang de fête nationale aux États-Unis. Au fil des ans, apparaissent histoires de sorcières, décorations et l'actuelle coutume des quêtes de friandises sous peine de mauvais tours. La fête s'est étendue pour finalement revenir sur nos territoires il y a une dizaine d'années. Bien sûr, cette tradition a pris une tournure un peu plus commerciale, mais les puristes savent y apporter une touche d'authenticité où ils voient une occasion d'effectuer des actions humanitaires. Les grands et les petits jouent donc à faire peur pour quelques bonbons ou quelques sourires. L'harmonie à Saint-Hilaire, elle existe depuis 1881. C'est l'harmonie de l'usine de Dietrich. Donc, nous participons déjà à toutes leurs manifestations, la Coupe de Dietrich, la remise des médailles. Mais nous disposons du réfectoire de l'usine où nous pouvons répéter. Nous avons une petite salle que nous avons aménagée et qu'ils mettent à notre disposition pour répéter tous les mardis. On tourne toujours entre 35 et 40 personnes, ça varie d'une année à l'autre, mais ces dernières années, on reste relativement stable. C'est le cinquième concert-spectacle qu'on donne. Il y a plusieurs années, on ne donnait qu'un concert traditionnel. Et on a eu une idée, une année, disons, de joindre un peu du visuel à l'auditif. Et puis, on a rajouté cette partie spectacle et qui semble assez bien convenir au spectateur. Le courageux a le pouvoir de faire ressortir les images du passé grâce à l'esprit Watonga. Pour amener les gens à se déguiser sur la scène, à mettre un costume et à se concentrer sur la musique, c'était pas évident, quoi. Mais là, au fil des années, les gens sont un peu plus à l'aise. Et chacun choisit son costume et s'intègre à sa façon dans le spectacle. Cette année, on a choisi la conquête de l'Ouest. C'est une histoire qui débute tout au début, donc même avant la conquête de l'Ouest, au temps des Indiens. Et puis on raconte un peu toute cette histoire au fil des décennies pour finir dans les grandes villes, pour finir dans les bars. Le répertoire est assez varié, quoi. On peut débuter par de la musique style folklorique, Egerländer, ou alors on passe dans le classique. On a de la musique de film, un peu tous les genres, quoi, du swing, du moderne, du rock'n'roll, un peu de... Les gens qui viennent là, c'est surtout pour leur plaisir, quoi. C'est leur passe-temps. Ça, c'est la première des conditions. Donc les gens qui viennent,
en répétition, c'est pour leur plaisir. Donc la première des choses, disons, qui m'incombe, c'est de leur apporter du plaisir à jouer. Et une fois qu'ils ont pris le plaisir pour jouer, ensuite, ça sera le plaisir des auditeurs pour se mettre dans le bain et pour écouter tout ce qui se... disons, le résultat de ce travail. Pour tous les musiciens, c'est beaucoup plus valorisant de pouvoir jouer pendant une heure et demie, au lieu de jouer pendant une demi-heure. Cette année, nous avons un programme très difficile pour nous et nous avons beaucoup travaillé ces deux derniers mois et je souhaite bonne chance à chacun et surtout aux solistes qu'ils peuvent montrer leur valeur. Attention les gars, on y va à fond, c'est parti. Thank you.